arrête de casser ma maison ou je vais gommer ta famille. Les gars, plus petit passé beaucoup de nouvelles vidéos sur Clash Royale, les gars. Aujourd'hui, nouvelle vidéo présentation de deck. Avant que la vidéo commence, les gars, très très important. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu, car beaucoup de personnes qui regardent mes feeds ne sont pas abonnés. Mais bon, c'est super important. Abonnez-vous, mettez le petit pouce bleu, n'oubliez pas le petit commentaire, les gars, pour l'enfoncement. Et puis voilà, comme vous voyez à l'écran, on va se jouer un petit PK Bridge Pump qui a un abonné demandé de jouer, donc avec le place du fantôme, le Dark Prince. Je suis en 7-2, on va essayer de faire un petit 12. On va se concentrer pour faire 12. Et si je... Enfin, ou pas d'ailleurs. Mais bon. On verra bien. Allez, c'est parti. On va commencer avec une petite Velozo Bridge tranquillement. Ah, ok. Bon. Au moins. Bien. À partir de l'éléphant de map. Ok, bon. Lui, il a vraiment envie de tout mettre au pont. On va pas défendre, c'est pas très grave. Je pense qu'on va faire, c'est qu'on va partir en... On va attendre de voir s'il m'a PK peut-être. Ok, c'est mon petit Dark Prince ici. Ok, là je vais dire, on va mettre l'archer ici. Hop. Ça peut être pas mal ici. Ok, il met ça, très bien. L'archer qui a pas mal gratté, ça c'est pas dégueu. Est-ce que là, vu son dé elixir, que... Non, on va se calmer. Là, je sais qu'il me fait une grosse 500 elixir. On peut se permettre de partir en PK fond de map. En tous les cas, s'il met une voleuse, on a notre voleuse. D'ailleurs, excusez-moi les gars, je suis un petit peu malade. C'est pour ça si je parle un petit peu du nez, mais normalement, ça devrait pas être trop problématique. On va laisser rater, c'est pas grave. Là, il est déjà en retard d'Alexia, en plus, il se fait mettre de dégâts. Mais nous, on va aller prendre la tour derrière, donc c'est pas grave. On va mettre une petite voleuse là, on va le mettre celle-là. Ok, là, on force à gauche. Parce que là, on va mettre beaucoup de dégâts à droite, avec grâce au beignet. Ok, pour l'instant, c'est bien défendu. C'est même très très bien défendu de sa part. Et là, Dark Prince, oh, ok. En fait, il est peut-être pas une si grosse... un si gros retard que ça. Ok, bon. J'ai un petit peu fait de la D. Non, ça, on a pu se gratter avec lui, donc ça va. Pas grave. Ok, on a notre PK ici. Est-ce qu'il est archer? Non. Je pense qu'on va attendre l'archer pour voir dès qu'il mettra son PK. Ok, il aimait bien que ça on peut pas snipe, c'est bien joué de sa part. Est-ce que je vais avoir assez d'élixir? Non, je vais pas assez d'élex. Il va être. Le gars fait son marché magique quand même. Voilà, nickel. Il a son billet de combat aussi. Hop. Notre petit bélier en pression à gauche. Ok, pour l'instant c'est bien défendu de sa part. On va attendre de voir un petit peu ce qu'il fait. Je pense qu'on va le mettre les Wiz ici. Mais s'il met une pression avec un PK au pont. Hop, ça pourrait être une bonne pression. Là, là la boule de feu va lui, on va la prendre. Peut-être pré-shot de l'électro-sorcier. Ok, c'est pas grave. Là, on a notre archer value, donc on va tout de suite le prendre. Ok, il a paniqué. On va mettre la voleuse ici pour la protéger. On n'a pas réussi à protéger notre archer, c'est pas grave. Je pense que je vais protéger ma voleuse un petit peu. On va mettre le Dark Prince ici. On va pas le forcer avec un bélier derrière. Hein, puisque là, il pourra, si il met un PK, il aura pas le temps de tout défendre. Ok. Très bien joué de sa part. Rien à dire. On va laisser mettre l'électro-sorcier. Et là, on va mettre le PK ici. Hop. Parfait. Il y a mon verre de chapard. Ah, ça j'ai vu direct le mauvais archer. Donc dès qu'il allait vouloir le protéger. Et on va les mettre ça là. PTDR. Ok, là on a un bon archer là. Hop. Ah, j'ai raté mon placement, c'est pas grave. Hop. On va aller mettre le PK ici. Attention à ce qu'il garde pas trop. Hein. On a le bélier derrière. On va les mettre la voleuse. On a l'archer ici, bien évidemment. Je sais pas si on... Ici, je pense qu'on l'aura pas. Hein. Malheureusement, on l'aura pas. Là, il a un petit peu de réussite, hein, quand même.
Ok, bah ça va être un PK au poumon. Et là, on va devoir commencer à forcer avec les boules de feu parce que sinon. Hop. Il va nous rater. Là, je savais que j'allais pas toucher le. Le frérot, hein, je savais. Attention quand même, pas craquer, ce serait quand même con de perdre la game. Non, viens là. J'ai eu chaud là. On n'est pas passé loin de la catastrophe. Ok, il a raté son marché, bon, bah, juste tant mieux en fait, hein. Non. Allez, l'archer. Oh, l'archer qui nous sauve la game. Oh, l'archer qui nous sauve la game. C'est incroyable. Cette game est juste incroyable. L'archer qui nous sauve la game à la fin. C'était Gucci. C'est beau. C'est beau. Franchement, c'était beau parce que là, on n'est pas passé loin de défaite. Parfois, en plus, on ferme les badges. Ça, c'est une bonne nouvelle. Allez, c'est parti contre Dark Water. Ok, on va se mettre un petit baigner au pont tranquillement. Pour découvrir ce qu'il a, ok, mini PK, très bien, on va mettre un petit Dark Prince en moche un petit peu, voilà, même maintenant. Alors... Ok, les dégâts comme les boules de feu. Dommage qu'on puisse pas toucher, ok, le Dark Prince qui touche un tour, ça c'est une bonne nouvelle. Je pense qu'on va les forcer qu'un archer, on va mettre le zap en plus. Parfait, c'est bien relou. Et là, en plus, on pourra défendre le B-Dragon avec la voleuse. Ah. Bah, la sauce. Ok, bon, bah, il va juste être un petit peu forcé avec la voleuse. Il est vrai que... C'est pas nécessaire de mettre la voleuse. Il est vrai que... Mais bon. Après, c'est pas grave. Est-ce qu'il défend? Non. Est-ce qu'on ne mettrait pas un petit bélier fond de map là? Ça c'est chiant. Ça c'est relou. Après le Dark Prince là qui prend le focus des gargouilles, donc ça c'est bien. Après on a pris quand même très très cher, mais on va prendre le Dark Prince finalement. Oh, il a eu de la chance. Ok, on essaie de protéger. On a réussi à protéger un archer magique, c'est assez chiant pour lui. En fonction de ce qu'il met, on pourra mettre une voleuse. Ah oui, il a son bédragon, c'est vrai. Mais c'est le bédragon connecté. Et là, on met de la voleuse. On sait qu'il a son... C'est golem de merde. Allez, hop. Les vénères cyclées. Ok, bien joué de sa part. Cette fois, on a le... L'électro-sorcier, bien évidemment. Vraiment, ça défend. Hein. Ouais, tranquille. Ok, PK au pont. J'avais oublié ces gargouilles. Assez relou pour le coup. Ouais, sacrément relou ça. Et en plus, on a pas recyclé l'électro-sorcier. Je vais mettre une boule de feu pour prendre des dégâts. Sinon, je vais prendre des dégâts. Et faut pas que j'en prenne. Là, je suis obligé de se séparer sinon, prendre des dégâts. Elle va être casse-couille cette game. Je le sens qu'elle va être casse-couille. Il va aller être arraché assez bas de l'autre côté. Ouais, il a déjà recyclé, wow. Ok, il va falloir la boule de feu là, hop, qui va permettre de ne pas aller prendre de dégâts, parce qu'il a pas de sort, on rappelle. Est-ce que là, il n'y a pas moyen de forcer un petit mini PK? Ah, oh, c'est qu'il a la forêt, j'avais oublié. Ok, il a que des flèches. Bah là c'est pas compliqué, c'est le push final. Donc, je vais devoir laisser connecter, j'ai pas trop le choix. Dommage. Non, c'est pas grave, j'ai vraiment fait de la merde. Dommage parce que ça allait passer en plus. Bon, on va se lancer un petit défi classique. On va faire quand même d'autres games parce que la vidéo de 10 minutes, c'est pas fou. Ok. On va se faire encore deux petites games. Ok, on va commencer par une petite Volto Bridge. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Donc lui, il n'a pas le temps de niaiser. D'accord.
Parfait, là, on a mis, j'ai fait sacrifier mon élixir sorcier pour bien que l'archi magique tape dans l'axe du bûcheron et du ballon. Donc c'est plutôt mal. On va mettre un petit dark prince impression là. Il a pas mis une bûche dans le vent, ok. Oh, il met un mauvais canon pour aller faire sa quartier bélier, ce qui a pas tourné le bélier. Et nickel, le bélier qui va connecter, ça c'est plutôt Gucci. Ok, parfait. Ça c'est chiant. Ouais. Je vais assumer un coup. Et là, j'ai pas forcé, ça sert strictement rien. Il va sûrement défendre en plus. Avec les 6 squelettes en plus, il prend un coup. Il va prendre deux coups. Pas très value la défense. À partir de PKF. Mais t'es chiant, Spam. Casse les couilles, genre. Quand ça mange. Je vais faire qu'une voleuse, puisque je sais que dans tous les cas, là, il n'y a plus à avoir grand chose pour défendre. Voilà. Tiens, il méritait ça. Non, mais il méritait. C'est bon, faut se perdre comme un gros bouffon, là. Mais il est insupportable. Eh ben, là, on peut pas... Il prend un coup, ça c'est pas mal. On fait cash, je vais assurer de mettre son bûcheron ballon. Donc j'ai préparé mon arche magique fond de map. On a Dark Prince pour bloquer le bûcheron pont. On a le PK. Hein. Le PK qui serait quand même plus efficace. Ok, mais une bûche. Là on prépare pour le bûcheron ballon au cas où. Voilà, je le savais, c'était prévisible. Attends un petit peu avant de boule de feu. Voilà, exactement pour avoir le ballon. Et là il a plus rien. Et là, il a plus rien là. On peut pré-shot les squelettes. Voilà, on a réussi à pré-shot les squelettes, ça c'est pas mal. Parfait, la voleuse qui fait son taf. On va aller prendre sa tour et on va rigoler puisqu'il mérite. Parce qu'il spam. Et les spammers, j'aime pas ça. Bon attendez. Le karma. Ouais merde, je l'ai avancé. Non non. Je perds ma tour, je prends un karma futur. Oh putain. Voilà, il méritait son spam. Son petit bail, il méritait amplement. Et on va partir dans cette dernière game de la vidéo contre VP Ares. Ok. On va mettre une petite voleuse au bridge pour commencer. Ok, parfait. La voleuse qui va faire son taf ici. Ah. Oh bah la voleuse elle a... Ah ouais. Toi t'es un peu con toi par contre. Bon bref. Sa voleuse elle dash, ça c'est cool. Je pense qu'on va mettre une petite pression, on a le zap dans tous les cas, c'est une armée squelette, une connerie au genre. Ok, il a une tab, très bien. Est-ce qu'on pourrait peut-être aller tuer ce... Dommage. Bon c'est pas vrai, soit il va être à un coup. Ok, il a une foreuse. Ça c'est chiant. Ça c'est la fausse qui en plus c'est plus rapide. Ok, on va la petite voleuse ici derrière moi. Hop. Elle va dash, ça c'est clean. Ok, elle va dash. Il laisse connecter. Très bien. Bon, il faut que ça trois bons, comme ça moi il l'a plus. Je pourrais peut-être tenter de la cycle plus tard. Ok, parfait. Ça, c'est clean. Maintenant, ce qu'on pourrait faire, c'est... Je veux foreuse plus double arche. On va garder le Dark Prince pour la foreuse. Ok, il y a une pompe. On va les boules de feu, ça. On va attendre tranquillement. Et bah, écoutez, à partir de PKF on map, je suppose... quand même attention à sa foreuse foreuse sapeur mes couilles en carton là. Voilà nickel, on sait qu'il allait faire ça. Hop. Double foreuse, bah pourquoi pas.
Parfait. Alors, partir PK au point ici. Avec un petit bélier opposé. Parfait. Là, on aura la boule de feu qui va être value ici. Excellent, il panique. Ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Le PK qui va sûrement les connecter un coup. Parfait. Notre petite archer magique ici. Notre petite voleuse ici. Le Dark Prince ici. Là, le Marmox de pression. Là, le déborde. Il a plus de tour à bombe. Hop, alors met le bélier. Bien joué son sens électrique. On va mettre un archer ici pour essayer d'aller le dépop tranquillement. Peut-être mettre une voleuse pour aller prendre le 2 couronnes. Pourquoi pas. Hop. Après, il ferme peut-être que les badges. Hein. Bon, en tout cas, c'est une vidéo, voilà, qui est plutôt Gucci. On en fait une petite défaite, quoi, un peu débile, j'avoue. Mais c'est pas grave. Bon, lui, je pense qu'il fermait pas du tout. Il fermait pas les badges. Bon, lui, je suppose qu'il était sacrément éclaté. Voilà, niveau 13, 5-4-3. Et on a perdu contre un mec. Bon, on n'a rien vu. On se souvenait qu'il était vraiment venu à chier en plus beaucoup. Mon 10 000 d'or, ça fait plaisir. On regarde s'il n'y a pas d'autres récompenses. On a un petit bash électrocution, on prend. En tout cas, les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. C'était vrai coup. Ciao, ciao.